Bonsoir, c'était Eddie Harris qui jouait ce très beau thème de Bobby Timmons, Morning. Et c'est un beau préambule pour cette émission qui est consacrée à un géant du jazz, Lionel Hampton. Lionel Hampton, on va en reparler dans quelques instants. Mais avant cela, il y a pas mal d'infos, 4 festivals, un livre, 2 CD. Alors les festivals en rafale. Blues Passion, c'est à Cognac dans les jours qui viennent. Belle affiche avec entre autres Junior Wells et Otis Rush. Deuxième festival, Jazz au fil du Lot. Je vous laisse voir le jeu de mots avec Jazz au fil de l'eau et Jazz au fil du Lot. C'est à Aiguillon. Il y a là aussi un beau programme avec entre autres le quintet de Philippe Selam, qui est un jeune saxophoniste de talent. Il y aura Monty Alexander, le pianiste jamaïcain, et puis il y aura Emmanuel Bex avec le style band. Donc c'est un programme sympa. 10e Megève Jazz Festival, là aussi beau programme, le bluesman Luther Allison, le voici. Il y aura aussi Lise Macombe, il y aura Tito Puente, un des salseros que nous aimons. Il y aura Claude Luther et puis, bien sûr, le Mont Blanc intégré dans ce festival de jazz de Megève et qui mérite évidemment le coup d'œil, à défaut de coup d'oreille. Enfin, Jazz in Marciac, c'est leur 20e anniversaire. Il y aura encore beaucoup de beau linge cette année dans le Gers, pays où l'on a l'accent rocailleux et où l'on aime boire, manger et faire la fête. Il y aura beaucoup de monde, entre autres Manhattan Transfer, groupe intéressant et qu'on ne voit pas assez souvent en France. Il y aura aussi B.B. King, il y aura Oscar Peterson, notre ami Oscar Peterson. Il y aura Wynton Marsalis, devenu maintenant carrément enfant du pays. Et il y aura aussi le véritable enfant du pays, Guy Lafitte, qui aussi entre le sax ténor et ses moutons. Je ne sais pas s'il les a toujours, mais enfin, à une époque, il faisait de l'élevage de moutons. Le livre maintenant, c'est une histoire de la batterie de jazz.
c'est le tome 1. Il a été écrit par Georges Pakzinski, qui est batteur lui-même, et il est publié aux éditions Outre Mesure. C'est un livre très intéressant, beaucoup de documentation, des photos, des images, des partitions. Pakzinski, vous vous en doutez, connaît la musique puisqu'il est batteur lui-même, et il sait écrire, donc c'est un livre qui devrait séduire même ceux qui ne sont pas batteurs de jazz. Et puis, dans le même temps que paraît ce livre, sort chez Masters of Jazz Distribution Mediaset, sortent plutôt les deux premiers volumes d'une anthologie of jazz drumming qui a été préparée par Philippe Baudouin et qui fait en permanence référence au livre de Pakzinski. C'est-à-dire que là, vous pouvez en même temps lire le livre, Une histoire de la batterie, voilà, c'est le volume 1, je vous le rappelle, et en même temps, vous pouvez écouter la musique qui a été choisie par Baudouin et dont parle Pakzinski. Donc, les deux collections vont suivre. Il y aura volume 2 au moins pour le livre de la batterie, et je crois que chez Master of Jazz, il y a encore pas mal de jazz drumming qui sont sur le feu. Lionel Hampton, que nous allons voir ce soir, eh bien, il a débuté comme batteur presque avant même d'être vibraphoniste. Il est donc et dans le livre et sur l'un des deux compacts dont je vous ai parlé. Mais maintenant, nous allons le voir à l'image. C'est un concert qui a été filmé en 94 à Vienne. À ce moment-là, Lionel Hampton avait déjà 86 ballets. Eh bien, quelle leçon de jeunesse! Quelle leçon! À tout de suite. Je m'appelle Alexia. Joue avec moi au 36, 68, 41, 41. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I want to thank you so much. I want to thank you, Sweet Ellison. I want to thank you, Clark Terry. I want to thank you, Billy Ghost. Bobby. Bobby. Jimmy Woody at the bass. Junior Mass at the piano. Al Gray at trombone. And ladies and gentlemen, this next tune we want to dedicate this tune to you, 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 yes, you, yay! The tune was made popular by the greatest jazz man of all time, the one and Louis, one and only Louis Armstrong. And we're doing this song, and we're dedicated to you. As I said before, you, and all of you. Ladies and gentlemen, here it is. The trees are green. Red roses too. They all seem to bloom for me and for you. Yeah, I said to myself, what a wonderful world. The skies are blue, the clouds are gray, bright blessed day, dark sacred night, yeah. I said to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? What they really saying is, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They know much more than I ever know. Yeah, I say to myself, what a wonderful world. Yeah, I said to myself, what a wonderful world. Yeah, and I said to myself,
What a wonderful world. Yeah, I say to myself, what a wonderful world. Voilà, Lionel Hampton, filmé en 1994 à Jazz à Vienne. Il avait 86 ans à l'époque et c'est une belle leçon de jeunesse, d'optimisme et de swing que nous a donné le Wonderful Hamp. Lundi prochain, ce sera la première partie d'un document de Bob Marty consacré au chef d'orchestre et au tromboniste américain Tommy Dorsey. Autrement dit, nous allons replonger dans l'Amérique des années swing. Bye bye, à lundi. Jazzman, le journal de tous les jazz. I feel